Bonjour, bonsoir. Moi, c'est Martine Kassongo. Comme vous pouvez maintenant avoir déjà l'habitude, nous sommes là dans le cadre de notre rubrique Santé, bien-être, dans le cadre de cette grande plateforme Cœur à Cœur. Je crois que vous nous avez déjà suivis. Nous poursuivons avec notre série sur le sommeil qu'on a fini, troisième émission. Mais nous allons parler aujourd'hui de la digestion ou encore des désintoxications de notre détox, comme on dit, pour comment nettoyer de l'intérieur votre corps. Ainsi, vous servira aussi à bien digérer ou améliorer votre qualité de la digestion. Pour cela, nous allons vous parler de quelques plantes. Nous allons vous parler aussi des trucs que vous pouvez faire après un repas copieux. Mais l'importance ou encore l'intérêt dans ces plantes que nous allons donner, en même temps qu'ils vont vous aider à améliorer votre digestion, mais ça vous aide aussi à nettoyer un peu comme tous les systèmes digestifs, notamment on va parler des vésicules biliaires, de foie qui agit aussi dans, si vraiment on ne digère pas bien, on sait qu'on donne beaucoup de travail à notre estomac ainsi que le foie aussi est affecté quelque part. Voilà, nous allons commencer par une boisson, pratiquement c'est vraiment ma meilleure ou encore mon amie de tous les jours. C'est celle-là que je suis en train de boire d'ailleurs. Cette boisson, c'est quoi? C'est l'aloès. L'aloès, si vous ne le savez pas, elle est même dans la Bible. L'aloès, on la trouve dans la Bible. C'est vraiment une plante qui a tellement de vertus. On a déjà parlé de ça et on en parlera toujours. Qu'est-ce que l'aloès fait dans ces cas où nous sommes, dans le cas de notre au moins système de nettoyage ou système digestif? L'aloès vraiment va intervenir d'abord comme vous faites un plein de vitamines, des sources de vitamines. L'aloès va vous aider aussi pour renforcer votre immunité. L'aloès, je peux vous le témoigner, j'avais une amie à moi qui avait un problème de digestion. C'est quelqu'un qui faisait une semaine sans aller aux toilettes. Je lui ai dit, ma chère, essaye quelque chose, je vais te donner. J'ai donné juste ça. Elle a pris ça pendant un temps, c'est vrai. Mais en ce moment, elle n'en parle plus. Elle n'a vraiment plus ces problèmes-là. Mais ça lui posait beaucoup de problèmes, de maux de tête. Parce que comme vous pouvez le savoir, quand on ne digère pas bien, cela a beaucoup de répercussions sur l'ensemble de la santé ou encore la tête. Donc, ça a pris qu'elle puisse utiliser l'aloès pour améliorer sa digestion. C'est aussi une sorte de l'assainissement de votre corps en nettoyant ou en prenant l'aloès, surtout quand vous la prenez à jeun, va comme préparer votre corps à recevoir la nourriture, préparer votre corps à être nettoyé. Donc, c'est vraiment très important. OK, donc vous avez aussi l'artichaut. Là, je parlais de l'aloès. Il y a vraiment, peut-être je prendrai encore un temps pour vraiment aller en longueur avec l'aloès dans tout ce qu'elle peut faire dans d'autres mains. Là, nous restons un peu dans le cadre de la digestion. Comme vous savez, si vous ne digérez pas bien, vous ne dormez pas non plus bien ou encore votre estomac ne va pas bien marcher. Tout ça a aussi des répercussions sur le sommeil. C'est pourquoi dans la série 4 de sommeil, on parle de la digestion. Donc là, on parle des nettoyages de l'intérieur. Là, je vous proposerai aussi de penser à l'artichaut. Il vous aide aussi à augmenter la sécrétion de la bile. Donc, cet organe qui est pas loin du foie, qui a aussi son importance dans la digestion et facilite la digestion tout en favorisant l'évacuation. Comme vous savez, tout ce que nous mangeons, il arrive un moment où on a besoin de les évacuer de notre corps, car le corps va tirer ce dont il a besoin, le sang va filtrer ce qu'il va prendre, des nutriments vont être éparpillés partout dans le corps, mais tout le reste, nous devons les sortir de notre corps. Si vous avez une bonne digestion, vous savez que cela s'apprend tous les jours, au moins une fois ou encore deux fois pour les gens qui mangent bien, qui mangent
plusieurs fois, mais une fois déjà dans la journée, c'est idéal de le sortir. Mais quand il vous arrive, par exemple, vous avez un repas copieux, ça peut arriver dans une fête, vous avez tellement aimé des choses que vous avez, ça fait longtemps que vous avez mangé, vous voyez cela et vous vous vraiment vaguez, et vous vous remplissez comme il faut et puis vous êtes inconfort, vous êtes dans l'inconfort et vous ne pouvez même pas dormir, rassurez-vous. Quand vous avez le ventre plein, en tout cas, il est difficile même de dormir. Il vous est conseillé d'utiliser le radis noir. Le radis noir va venir vous aider à déballonner ou encore à vraiment accélérer votre digestion afin que vous puissiez diminuer un peu la lourdeur que vous sentez au niveau de votre estomac pour digérer ainsi. Peut-être la possibilité aussi de vous préparer dans votre sommeil. Donc le radis noir vous aide rapidement à enlever tous les excès dans votre estomac. Pissenlit, on en parle, c'est vraiment une plante qui intervient dans plusieurs choses, aussi comme directive, que les gens prennent comme directive, mais pissenlit aussi aide beaucoup dans la digestion à cause et favorise la sécrétion aussi des bile et aide à évacuer les repas de l'estomac. Donc, la pissenlit aussi, vous pouvez utiliser, pas seulement ça, la pissenlit joue aussi dans la purification de sang. Donc, c'est vraiment une plante que vous pouvez adopter. Aloe vera revient encore, mais j'ai parlé de ça dans le cadre restreint de la digestion ou des purifications ou nettoyage de tous les systèmes. L'aloe intervient. Vous avez aussi les chardrons marins. Donc, chardron marie soulage aussi les troubles digestifs. Si vous avez des problèmes de digérer, parce qu'il va aller aussi aider et prévient aussi les problèmes au niveau de calcul biliaire. Donc, vous avez des problèmes de digestion, ça peut affecter le foie, je l'avais dit tantôt, mais cette plante va aider à faciliter le fonctionnement de votre digestion tout en améliorant la santé de ces deux organes dont j'ai parlé. Vous avez aussi les bouleaux, ça s'appelle comme ça. C'est une sorte de plante qui joue dans le drainage. Il vous aide dans le drainage, mais aussi vraiment à digérer comme il faut. Il draine le déchet. Il est aussi diurétique comme pissenlit. On parle de lui. Et on parle aussi le boldon. Boldon, c'est aussi une plante qui intervient aussi vous aide aussi dans la digestion, mais dans le nettoyage aussi de l'organe. Donc, on parle de ça. On parle aussi de la bardane. Oui, de la bardane aussi. C'est une bonne plante aussi pour réguler cette sécrétion biliaire qui intervient ou qui joue dans le rein, sur le rein ainsi que sur le vésicule biliaire. Donc cette plante aide à faire fonctionner comme il faut ainsi qu'à déclencher une bonne digestion. Donc on peut citer aussi chlorelle, on peut citer plusieurs plantes. C'est quelques plantes que je vous ai données, que vous pouvez vraiment prendre le temps. J'ai dit, quand vous parlez de plantes, pensez à la phytothérapie. Vous pouvez avoir des conseils vraiment des spécialistes dans ce domaine-là, surtout dans le domaine où vous pouvez mélanger ou vous ne pouvez pas mélanger les plantes. Dans les plantes dont j'ai parlé, sachez que pour les enfants, on utilise aussi la camomille, toujours dans la digestion. Un enfant qui a trop mangé, qui ne se sent pas bien, ce qui est bien avec la camomille, même pour les nouveau-nés, c'est vraiment excellent. En même temps que ça favorise le sommeil, ça favorise vraiment aussi la digestion. Mais on peut utiliser aussi quelques huiles essentielles dans la digestion, pas en les administrant de l'intérieur, mais tout simplement en faisant des petits massages sur le ventre. Pour quelqu'un qui a trop mangé, vous avez vraiment fait l'excès des tables, vous mangez une nourriture, mais vous sentez inconfortablement dans votre peau, vous sentez que vous ne digérez pas comme il faut, vous pouvez utiliser le peppermint ou la menthe. Vous pouvez même prendre aussi un thé à la menthe, c'est bon pour la digestion, mais l'huile essentielle de la menthe
aide beaucoup, beaucoup dans la digestion. Vous pouvez prendre une goutte mélangée avec les huiles, ça peut être même avec l'huile d'olive, vous mélangez, vous passez votre main sur votre ventre. Je vous dis, quelques minutes qui vont suivre, vous allez bien digérer. J'allais oublier, vous avez vraiment cette, je ne peux pas dire que ces plantes, c'est une sorte de racine, mais le gingembre qui intervient comme un très, très bon aliment dans la digestion. On peut l'intégrer dans le fruit si vous voulez jouer du côté de la digestion. Mais maintenant, on disponibilise même des huiles essentielles à base de gingembre. Ça, vous pouvez l'utiliser directement sur votre peau, mais en mélangeant toujours par des huiles. Ça peut être l'huile vous pouvez prendre l'huile d'olive, vous pouvez prendre l'huile d'argan, vous pouvez prendre toute autre huile végétale, voilà. Vous pouvez l'utiliser en appliquant. Ça, c'est vraiment si vous voulez l'effet immédiat. Mais comme on le sait, les gingembre en soi peut s'intégrer dans des tisanes, peut être utilisé avec la menthe pour la digestion, ça peut être utilisé avec de l'eau de cannelle, ça intervient dans la digestion. Là, c'est pour quelques plantes ou encore, j'en ai parlé de plantes, mais n'oubliez pas, nous avons aussi des super, qu'on appelle des super grains, notamment l'avoine, le quinoa, le lin, et ça, c'est des grains que vous pouvez mettre ensemble. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je peux prendre une cuillerée de chaque et je mets juste de l'eau bouillante là. Je prends chaque cuillerée, pas cuillerée vraiment de soupe, mais moyen, de chaque grain, le 4 grains dont j'ai cité, quinoa, avoine, lin et chia aussi. Vous pouvez le mettre dans un verre où il y a de l'eau bouillante. Vous commencez à tourner, vous allez voir que ça va coaguler. Ça peut être comme un déjeuner pour vous le matin. Ça peut être même après avoir mangé ou encore votre repas du soir. Je vous assure, si vous l'intégrez dans votre alimentation, vous assurez votre digestion, vous allez bien digérer. Donc là, c'était vraiment pour la digestion, mais j'avais préparé aussi quelques mélanges, comme je vous ai dit. Il y a notamment le gingembre, je l'ai dit, mais vous pouvez les mélanger, hein. Mais donc, mélanger le gingembre dans plusieurs choses, notamment, vous pouvez mélanger le gingembre avec la carotte. Vous pouvez la mélanger avec la carotte, vous mixez. Commencez toujours par la carotte, comme on l'a dit dans d'autres émissions, et puis vous ajoutez le gingembre. C'est sûr que vous pouvez soutirer juste le jus si vous voulez, mais vous pouvez aussi broyer comme une feuille, pourquoi pas le prendre comme ça. Nous avons aussi le melon qui a plusieurs modèles de melon que vous pouvez mélanger avec le gingembre. Ça vous fait toujours intervenir dans votre digestion. Donc vous prenez moitié-moitié, vous pouvez prendre deux gousses de gingembre et puis un cantaloupe ou melon, vous le coupez, le morceau que vous pouvez utiliser qui peut prendre votre verre. Mais là, quand il y a des gingembre, vous pouvez favoriser par exemple le jus. C'est bon, c'est juste pour la digestion, mais on ne le prend pas là pour comme repas. C'est vraiment pour aider ou faciliter la digestion. Vous avez aussi le chou tropical que vous pouvez, chou milan avec ananas. Voilà, l'ananas avec le flavonoïde qui est dedans, cet ingrédient qui facilite vraiment la digestion. C'est comme ça que vous allez trouver même des personnes qui prennent le jus d'ananas ou de la peau de l'ananas fait bouillir avec un peu de gingembre et de citron. Ça aide beaucoup la digestion. Ça facilite à éliminer les surplus dans votre estomac. Donc, voilà, un peu, vous pouvez l'utiliser. Comme vous pouvez voir dans la digestion, en parlant de la digestion, on voit vraiment que la base, on parle plus du gingembre qui intervient à notre base. Mais si vous utilisez cela pour la digestion, faites attention, pas très tard, parce que le gingembre, quand même, c'est parmi les plantes qui vous tiennent à éveillé. Donc, si vous le prenez très tard, vous pouvez avoir de l'énergie pour aller au lit, c'est pas bon. Donc, on parle aussi des panachés, des pommes. Vous pouvez écraser deux pommes et puis avec 50 ml d'eau pétillante. Ça peut aider aussi votre digestion sans problème. Donc ça, c'est juste le pomme. Mais préférez le pomme vert, il marche très bien.
On parle aussi de yaourt, on le sait, yaourt fouetté, vous pouvez y mélanger avec l'ananas ou vous le prenez comme ça, c'est parmi vraiment les choses qui interviennent dans la digestion et qui améliorent votre flore intestinale. Donc c'est très important de bien digérer pour dormir. Nous avons tellement de petites choses à vous proposer, j'ai parlé de yaourt, vous pouvez aussi prendre toujours votre yaourt, vous le mélangez avec la pamplemousse, vous savez aussi la pamplemousse vraiment aide beaucoup dans la digestion et même pour les gens qui veulent perdre un peu le poids, si vous l'intégrez dans votre alimentation, vous aurez beaucoup de situations. Il y a aussi un autre mélange avec que je n'aime pas beaucoup, hein, c'est l'épinard et la tomate, parce que du côté de la tomate, fruits, il y a des gens où la tomate les garde éveillés, donc il faut faire attention. Parfois, n'est pas pour la digestion. Oui, la journée, vous pouvez le prendre, mais pas, ce n'est pas de repas que vous allez intégrer dans la soirée. Mais de même que d'autres, la tomate le garde éveillé, de même que les autres, il n'y a aucun problème. C'est comme quand on parle du café, que j'ai failli oublier aussi, qui intervient dans la digestion, mais il y a des gens qui les prennent même le soir avant de dormir. Il n'y a aucun problème pour dormir, mais d'autres aussi, quand ils prennent le café tard, ils se disent qu'ils restent éveillés. Donc, il faut vraiment sentir votre corps, savoir il réagit comment. Mais nous vous donnons des panoplies de recettes afin que vous puissiez profiter. Donc, il n'y a personne qui dira il ne peut rien faire de tout ce que nous avons dit. Vous avez des astuces, vous avez de fruits que vous pouvez vous procurer sur le marché, vous avez des jus déjà prêts, par exemple comme l'aloès, vous avez des grains sur le marché, vous pouvez même les acheter séparément, vous faites votre mélange tranquille ou intégrer cela dans le repas de matin pour les enfants. C'est tellement très facile aussi comme déjeuner et vraiment ça va aider l'enfant à bien digérer et à ne pas se sentir ballonné, pourquoi pas, en allant à l'école. Voilà, aujourd'hui on a fini, là on vous a parlé de quelques plantes pour nettoyer l'organisme, détox ou encore qui interviennent aussi pour la digestion. Donc nous vous disons au revoir et puis nous allons prendre une autre série. Nous allons vous retrouver toujours sur cette plateforme Cœur à Cœur. Écrivez-nous, posez vos questions, pourquoi pas choisir des sujets qui vous intéressent. On fera une série comme on en a fait ou encore vous partagez votre expérience, vous avez essayé quelque chose, parce qu'il faut le savoir, chacun de nous réagit différemment. C'est des trucs d'ensemble, mais il faut sentir son corps, voir qu'est-ce qui marche ou qui ne marche pas avec nous. Voilà, nous serons au rendez-vous prochainement. Nous vous disons au revoir, à bientôt.